Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'automne et on va faire la chasse au trésor à fond les virages. Sur la photo, vous voyez que c'est une trident pile qu'il faudra utiliser, la trident pile de 1965. Et l'indice pour le trésor, les améliorations prennent une saveur exquise lorsque vous négociez des virages serrés et driftez vers la gloire. Je suppose qu'il faut faire des étoiles dans une zone de drift. C'est parti. Comme voiture, vous prenez la Pile Trident de 1965, c'est une D100, elle vaut 25 000 crédits au salon de l'auto si vous ne l'avez pas. Avec le réglage suivant, Drift God et le code 1, 4, 9, 2, 3, 3, 9, 4, 6, 1, 4, 9, 2, 3, 3, 9, 4, 6. Une des zones de drift les plus faciles du jeu et les plus courtes, c'est le Giro Encorvado. Le Festival Horizon Mexique est ici. Le Giro Encorvado est là, mais vous pouvez le faire à n'importe quelle zone de drift, c'est comme vous voulez. Vous n'oubliez pas d'aller dans Paramètres, Difficulté, de mettre le freinage ABS désactivé, le contrôle de traction désactivé et le contrôle de stabilité désactivé. Et c'est parti! Il vous faut maintenant faire 30 000 points pour avoir les 3 étoiles. Donc vous vous mettez ici pour faire vos 30 000 points. C'est parti. Alors aidez-vous du frein à main pour faire vos drifts. Ce sera plus facile. N'allez pas trop trop vite non plus. Et c'est parti. On commence à drifter. Alors c'est pas évident. Il vous faut absolument 30 000 points. Parce qu'il faut faire les 3 étoiles d'un coup, sinon ça validera pas. Essayez de ne pas invalider, c'est pas évident. On y est presque. 28 000, on tourne un peu. 29, on est à 30. Et voilà, maintenant il suffit de passer la ligne et c'est validé. Et voilà, votre défi au trésor est terminé. Vous devez absolument faire 30 000 points et les 3 étoiles d'un coup. Le trésor se trouve ici, près de Tulum, près de Rio de la Selva. Exactement ici, je dézoome, exactement là. Si vous partez du festival Horizon Mexique, vous allez complètement à droite. Vous arrivez à Riviera Maya et puis vous descendez un tout petit peu vers le bas et vers la droite. Et voilà, votre trésor est ici. On va aller le scrabouiller. On se met ici, tout près. Voilà. Le trésor se trouve sur notre droite. C'est parti, on y va. Il est ici, on le voit déjà. Près de la maison là, sur le parking. Là où il y a la petite cahute, il est ici. Je vous montre. On est exactement là. Vous voyez le bâtiment, les petites voiturettes de golf. Et c'est ici. Exactement là. Et on scrabouille. Et voilà, la chasse au trésor est terminée. On a 100 Forza Points. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.